le Conseil supérieur de la DNACG, Direction nationale de l'aide et du contrôle de gestion, NDLR, décide sur le fond d'exclure le club des play-offs du championnat de France de Liga de la saison 2017-2018, a indiqué l'instance dans un communiqué. Les sanctions prises le 2 mars par la Commission d'aide et de contrôle des clubs professionnels, CACCP, sont toutes confirmées par la DNACG, interdiction de recrutement et encadrement de la masse salariale, notamment. Nous n'avons pas les attendus. On attend les explications et on va faire appel auprès du CNOSF, Comité National Olympique et Sportif Français, NDLR, a réagi le président du Paris Volley, Michel Rougeron, auprès de l'AFP. Il dispose d'un délai de 15 jours pour réclamer une conciliation devant le CNOSF, afin d'éviter l'exclusion, avant tout éventuel recours devant le juge administratif, a précisé la FF Volley dans son communiqué. Le club de la capitale s'était déjà retourné en 2007 devant le CNOSF pour éviter une relégation en Ligue B, en raison alors d'un déficit. Paris est une place forte du volley français avec 17 trophées de champion de France moins 8 sous la bannière Paris Volley, 9 sous celle du Paris Université Club PUC, une Ligue des Champions, 2001, et 2C2, 2000-2014. Le Paris Volley occupe actuellement la 3e place de la Liga masculine, à 5 points du leader Tours, à une journée de la fin de la saison régulière. La directrice générale de la Ligue nationale, LNV, Yannick Souvré, avait précisé après la décision de la CACCP que les play-offs, qui doivent en principe débuter après la dernière journée de la saison régulière, 24 mars, ne commenceront pas avant l'éventuel verdict du CNOSF.